vivons cette année ce mystère autrement. Comme Marie, nous sommes invités à vivre tous ces événements en nos cœurs. Et nous avons à retrouver cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, pour reprendre Peggy. Notre Dieu nous rejoint ce soir dans notre fragilité et notre vulnérabilité. Mais nous le savons, si le Père a envoyé son Fils dans le monde, c'est justement pour nous guérir. Et comment nous guérit-il ? En nous révélant sa tendresse. Puisse cette veillée et cette messe de la nuit faire de chacun d'entre nous des sentinelles de l'espérance, pour reprendre Saint Jean-Paul. Thank you.
Train 3.